Après qu'Akadosh Baruch Hu a dit à l'être humain, multiplie-toi, mets-toi ensemble, comme on avait dit pour vous, Vayomer Elohim, Dieu a dit, et je vous ai dit que dans chaque endroit où il est écrit Vayomer, il y a le mot Or, lumière, et Mi. Mi, c'est la Bina. Donc Elohim, quand on dit Vayomer Elohim, c'est le côté féminin, céleste, qui parle. Et lui, il a dit, Hine, nasati lachem. Regardez, je vous ai donné. Hine, en hébreu, c'est Hei, Nun Hei. C'est la force féminine. De quoi? Le premier Hei, c'est le premier Hei dans le nom sacré. Et le deuxième Hei, c'est le deuxième Hei dans le nom divin. Et le Nun, c'est 50 cherubins. Donc on a la mère céleste, elle est là. Et ici on a la royauté, c'est la femme. Et entre les deux, ça s'appelle la fille et la mère. Entre les deux, il y a comme un cheminement, comme ça, qui descend, qui descend, qui descend. 50 attributs. On a 50 attributs de purification. Et Chas v'Shalom, il y a 50 attributs d'impureté. Les attributs d'impureté, c'est l'endroit où les gens tombent. Les attributs de purification, c'est l'endroit où les gens montent. Donc on a la montée ou la descente. Où il est l'être? Ce qu'on appelle le côté masculin de tout ça. Le côté masculin, c'est celui qui circule entre la mère et la femme. Pourquoi? Parce que la femme, la mère est dans un certain, une certaine position. La femme, elle est dans l'autre position. Et maintenant, le but de la vie, sachez, hein, c'est de connecter la femme et la mère. C'est le but. C'est pour ça qu'il est écrit dans la halakhot. Le but de la vie, c'est connecter la fille avec sa mère. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Talmud, Kalas sonet lechamota. La belle fille déteste sa belle-mère. C'est fou ça. Maintenant, mais pourquoi? Comme vous dites, exactement. Et pourquoi? Parce que ça, c'est le comportement bestial. Du fait, ça, c'est qu'il va chez elle. Elle est jalouse. Elle est jalouse de sa belle-mère. Écoutez, la raison pour laquelle on dit ça, c'est Talmud. N'oubliez pas, le Talmud, c'est la rigueur. Le din. Ça, dans le din, c'est ce comportement. Dans la miséricorde, on a exactement l'inverse. Que la belle fille devient la fille de sa mère, de sa belle-mère. La fille vraiment. Comme et il y a des familles que la belle fille, elle est comme la fille. Comme au oui, et il y a des familles que c'est pas comme ça. C'est ça, c'est très rare. Non, je veux dire, c'est quoi ça? Ça, c'est est-ce que je suis dans l'être bestial ou est-ce que je suis dans l'être élevé? Quand je suis dans l'être bestial, je travaille seulement avec le désir très fort, et la moralité. Donc j'ai tout le temps des combats internes. Et comme il est écrit dans Zohar Kadosh que le fils a l'habitude de se contenter de sa maman ou de se contenter de sa femme. Alors quand il se contente de sa maman, la femme elle est jalouse. Quand il se contente de sa femme, la mère elle est jalouse. Ça veut dire quoi se contenter? Contenter les tratzot. C'est-à-dire que quand il a besoin de quelqu'un, de quelque chose qui lui donne, qui lui contente ses besoins. En fait, celui avec lequel il est le plus en corrélation. Oui, et la fille, il écrit dans Zohar Kadosh, bat mitratza me'aba, o mi'bala. La fille, elle se contente ou de son père, ou de son mari. Elle est plus proche de son père que de sa mère. Oui, c'est normal. Il y a une raison. Mais pourquoi c'est normal? Je vais vous expliquer. Parce que dans l'ovule, la rencontre entre l'ovule et le liquide masculin, si le liquide féminin a contouré le liquide masculin, on va avoir un fils. Et lui, comme il est au début de, il est
entouré par sa maman, donc il est content. C'est sa sphère de... Ça s'appelle la zone de confort. Mais si jamais le masculin, le liquide masculin, c'est lui qui contourne le liquide féminin, on va avoir une fille que déjà au moment de la conception, elle est déjà entourée de son père. C'est comme ça. Et le garçon pour sa mère. Oui. Le fils pour la mère, le fils pour la mère et la fille pour le père. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans les Ilchot Kibud Avim pour qu'on respecte le père et la mère? Qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs choses. La première chose est qu'une femme, d'après la Torah, quand elle s'est mariée, maintenant elle devient, elle rentre dans la sphère de son mari. Maintenant, elle appartient à son mari. Eux, lui et elle, c'est un. Et c'est pour ça qu'elle est acquittée du kibbout d'Avem. Elle a plus cette mitzvah. Maintenant, elle a kibbout et son mari. Ça, c'est la halakha pshuta. Mais c'est plus kibbout de son père et sa mère, c'est non. Son mari. Il peut lui dire, tu pars plus avec tes parents, elle ne pleure plus avec ses parents. Oh. Attendez. On va faire l'angoisse avant la fin. Jamais se marier. Et ça, attendez, et ça, on dit que qui va se comporter comme ça? Qui va interdire à la femme de parler avec son père et sa mère? L'ignorant. L'ignorant, le bestial, qu'est-ce qu'il va dire? Tu ne parles plus avec ton papa, tu ne parles plus avec ta maman. Il y a des méchants. Il y a. Mais nous, on les appelle ignorants. Ishbar le yeda. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants, ils sont bêtes. Qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, tu es à moi, tu ne parles plus avec ta mère. Et il est écrit que le sage, celui qui est un peu sage, qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, il rapproche la fille de sa maman. Pourquoi? Parce que pour que la fille grandisse, et elle ait le savoir de la conduite, le savoir du comportement, vous savez, il y a beaucoup de choses que on peut étudier seulement par l'exemple. On ne peut pas étudier sans exemple. C'est pour ça qu'au début du mariage, ils leur apprennent de ne pas aller chez les parents. Il faut d'abord qu'ils se construisent. Et les parents, ils se fâchent. Comment tu ne viens pas? Et ça veut des histoires. Il faut que le couple se construise ensemble, les Shabbatot et tout ça. Ça dépend dans quelle région vous êtes du monde. Mais dans notre région du monde, dans cette région. Chez nous, dans notre région du monde, La fille habite au moins un an à côté de sa mère. Au moins un an. Ils habitent le couple à côté de la maman de la fille. Pourquoi? Pour qu'elle puisse voir, comprendre, faire ensemble. Se concentrer avec son mari. Et pas avec la belle-mère. Pas à côté de la belle-mère. Un an. Et pourquoi pas la mère du mec? Pourquoi pas la belle-mère? Je vais vous dire pourquoi. Parce que... Et alors, elle a un fils aussi. Attendez. Oui, mais quand on est révolté, c'est pas un problème d'être révolté. Mais il faut entendre jusqu'à la fin. Après, on se révolte. Non, mais je vais vous écouter. Je suis avec vous, moi, je suis pas contre vous. Maintenant, comme on sait que de la nature bestiale, je parle, et la plupart des êtres humains sont sur le palier de la vitalité bestiale. Ils ne sont pas encore partis monter parce que ça prend du temps d'évoluer dans la vie. On ne peut pas demander à quelqu'un de 18 ans d'être comme quelqu'un de 40 ans. Ça va la nôtre. Alors, comme le jeune garçon marié, quand il va chez sa maman, elle pense que c'est le prince du monde. Donc, jamais la femme est suffisante pour lui. Pourquoi elle ne fait pas ça? Et pourquoi elle ne fait pas ça? Et moi, je lui aurais repassé. Moi, je lui aurais fait ça. Et pourquoi il est comme ça? Et pourquoi la poussette? Et pourquoi le biberon? Alors, la petite, elle est critiquée. Par qui? Par celle que le fils aime beaucoup. Par la belle-mère, elle est critiquée. Si la fille, elle est petite, elle sait comment se comporter avec la belle-mère. Elle plaît à la belle-mère. Elle va dans son sens. Tout va bien. Il y a l'amour. Mais normalement, comme les gens, ils ne sont pas tellement intelligents, malheureusement. Elle ne va pas avec le sens de la belle-mère. Qu'est-ce qu'elle lui dit quand ils arrivent à la maison? T'as vu comment ta mère, elle me parle? Mais t'as vu comment elle me regardait? Mais t'as vu que les critiques, je ne veux plus la voir. C'est une peste.
Et le fils, avec qui il va aller? Avec sa femme, contre ses parents. Si vous savez, je rigole pas, hein, mais si vous savez combien de cas je m'occupe ici à Netanya, de pères et mères qui viennent me voir à un certain âge quand même, hein, déjà, s'ils ont plus 20 ans, que leurs enfants ne leur parlent plus. Plus, zéro. Et ils demandent que je fasse quelque chose pour les enfants qui reviennent. Je leur dis, je vais faire pour qu'ils commencent à revenir. Aujourd'hui, il y a une dame qui est venue me dire merci. Pourquoi? Parce que sa fille qui était complètement... Maintenant, elle a commencé le téléphone, tout doucement. Je lui ai dit, si tu veux les vivre, tu dois savoir les accepter. Maintenant, c'est vrai que le mari, c'est pas toujours une gloire. C'est pas toujours brillant comme un diamant. Et c'est vrai aussi que la fille, elle n'est pas toujours brillante comme un diamant. Mais aux yeux des mariés quand ils étaient à la roupa, ça c'était le diamant et ça c'était le diamant. Moi toujours je dis aux gens, qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas une plus belle? Il n'y a pas une plus sage? Il n'y a pas une plus je ne sais pas quoi? Il y a. Attends un an. Tu refais encore une fois. Tu recherches. Il y aura une plus belle, une plus sage. Donc, on t'a encore un an. Où on va finir? Donc, c'est quoi la bracha de Dieu? Hine. C'est quoi Hine? Présence. Hine, présence. C'est quoi la présence? Natati lachem. Je vous donne. Ça, c'est la force. De quoi? Quand on veut créer un arbre, puisque là, vous savez, il parle d'un arbre. Natati lachem. Et kol esev zore azera asher al pne kol haaretz vechol vet kol haetz asher bopri. Ça veut dire que Dieu ici leur dit, je vous donne tout ce qui est végétal. Pourquoi? Parce que qui a Adam et sa sade? L'homme est l'arbre de du champ. Comme l'homme est l'arbre du champ, le comportement de l'arbre doit enseigner à l'homme beaucoup de choses. Et si on veut qu'un arbre ait des fruits, il faut mettre l'arbre féminin et l'arbre masculin les uns à côté de l'autre. Si on les éloigne, il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset précédent? Il a dit « Prouvez-vous ». Il leur a dit « Multipliez-vous, donnez du fruit ». Comment on va donner du fruit? C'est quoi le secret? Donne. Le secret de la vie, c'est donner. Donne du respect. Donne des bonnes paroles. Donne de la tzedaka. Donne de l'amour. Donne de l'amitié. Donne de la sagesse. Donne. Et pas, prends. La karat. Pas. Je prends. Je prends. J'ai réussi à prendre, je prends. Pas prendre. Donne. Et plus tu donnes, et plus Dieu te donne. C'est très simple ça. Maintenant imaginez-vous, on met le système de donner dans une famille. Là, le couple, il vient à la maison. Première chose qu'on doit donner à nos parents, c'est écrit dans le Torah. Respect. Ta belle et ta vieille avec tes mères. Premièrement, respecte-les. Ils n'ont pas ton âge. Tu n'as pas le droit de lever la tête. Tu n'as pas le droit de critiquer. Si tu serais à leur place, tu aurais fait exactement la même chose. Oui. Et si tu critiques, tu vas vivre la critique. Vous savez, le compte, il est rond. Hein? Tu as critiqué tes parents de quelque chose, tes enfants vont te critiquer de la même chose. Pourquoi? Ils ont vu le père parler du mal de la mère. Eux, ils vont parler du mal de toi. Simple, la vie, elle est mathématique. La création, vous savez, c'est mathématique. 1 plus 1, 2. Et c'est pour ça que Dieu a dit. Hine natati lachem. Tu dois connecter le nom céleste. Vous savez, le nom céleste, c'est Yud, le lettre Yud, la lettre E et la lettre Vav. Ça, c'est le nom masculin céleste. C'est le père, la mère et le fils. Et à la fin, il y a le dernier Hei. Ce Hei-là, c'est quoi? C'est toute l'existence. La terre, la matière, tout ça, c'est le Hei, le dernier Hei. Et le Hei, c'est la femme. Ta femme à toi, c'est le Hei. Maintenant, tu as un rôle.
connecte-la. Passe par là. Connecte-la. Connecte-la à ta famille. Connecte-la à sa famille. Fais-lui la connexion avec ses enfants. Vous savez, il y a des fois des familles, je ne veux pas vous dire. Mais la femme, elle est fatiguée après qu'elle a accouché. C'est normal. Le père, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui s'occupe des enfants. Mais qu'est-ce qu'il leur dit tout le temps? Pourquoi maman ne s'occupe pas de toi? Pourquoi maman comme ça? Pourquoi maman comme ça? Pourquoi tu dis ça? C'est ta femme. Tu critiques ta femme quand ils sont petits aux yeux de tes enfants. Après, tu te dis pourquoi ils ne respectent pas la maman. Et même si la femme, après avoir accouché un enfant, elle est fatiguée, même si elle joue qu'elle n'est pas fatiguée, alors, c'est pas une machine. Vous savez, Rav Hozner disait, une femme, c'est pas une machine. C'est pas les usines qui marchent sans arrêt. Alors, elle a accouché, il faut la gâter, il faut qu'elle agisse sa maman. Pourquoi? Qu'on s'occupe du bébé avec elle, qu'on lui permette à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde de séparation. Chez nous, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ils viennent habiter chez nous. S'il y a possibilité, normalement, la fille, elle va habiter chez qui? Chez sa maman, pas chez sa mère. Mais pour que la fille soit à l'aise chez ses parents, qu'est-ce qu'il faut se passer? Que le fils, le beau-fils, soit à l'aise. Donc le père de la fille, le père de la fille, qui est le beau-père du fils, il y a toujours des tensions comme ça un peu bêtes. Au lieu de le prendre, mon fils, je t'aime, qu'est-ce que tu veux? Tiens, mange, sois content, tu es bien le bienvenu. Qu'il soit à l'aise. Ne rends pas. Et s'il est à l'aise, alors la fille, elle est à l'aise. Mais s'ils ne sont pas à l'aise, après deux jours, elle veut repartir chez elle. Toute seule, élever un enfant. Après le deuxième, il arrive. Après le troisième, il arrive. Qu'est-ce que c'est ça? C'est cruel, c'est de la cruauté. La miséricorde, c'est quoi? Que nous, les parents, c'est vrai que les enfants, ils sont partis de la maison, c'est pas facile pour les parents de marier un enfant. Il y a des douleurs, mais il faut les accueillir avec leur enfant, avec tout. Et comme ça, on crée une chaîne de données. Natati. La chaîne de quoi? Donner. Et non pas une chaîne, chas v'shalom, de prendre. Je prends, je prends, je prends. Et si on les habitue à donner à chacun à l'autre, c'est aussi le comportement de nous que nous on a. Moi, quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, tu es obligé d'être la reine. Chez moi, à la maison, si quelqu'un lève la tête ou la voix devant ma femme, oh, il va voir, c'est la fin du monde. Tout, vous pouvez tout faire. Parler, dire ce que... Mais tu lèves la tête devant ma femme? Pourquoi qui vous êtes, vous avez levé la tête devant moi? Mais quand on fait comme ça, même les filles, après, elles sont respectées par leur mari. Mais si il vient le gendre à la maison et il voit le père crier sur la mère, pourquoi que lui respecte sa femme? C'est sûr. Et des fois, ma femme, elle me dit, la rabbinie, elle dit, tu parles trop gentil. Ah, je dis, tu veux comment je commence à parler pas gentil? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, mais c'est... Toujours je lui dis merci, toujours je lui dis pardon, toujours je lui dis... Pourquoi? Parce que sinon, les enfants, vous savez, ils grandissent vite, hein? Et après, qu'est-ce que vous savez, la douleur la plus grande des parents? La plus grande, hein? Il n'y a pas une douleur comme celle que je vous dis maintenant. Quand on voit le beau-fils ou la belle-fille se comporter mal avec nos enfants. Ça, ça brûle. Ça brûle la personne. Tu peux rien dire. Tu peux rien faire. Mais tu ne peux pas voir tes enfants maltraités. Ça, c'est du feu. Ah, c'est qui a mis le feu? Toi-même. Parle bien avec ta femme. Tu verras qu'ils vont bien parler avec leur femme. Parle pas bien avec ta femme. Ils parleront pas bien avec ta fille ou avec ton fils. Et les mères, quand la belle-fille, elle envoie une flèche comme ça à table à son mari, la belle-mère, elle devient raide. Pétrifiée. Je l'aurais coupé avec un couteau. Comme ça, il y a des femmes qui disent des choses. Et tu dis, elles sont gentilles, elles sont douces. Pourquoi pas comme ça? Parce qu'on ne peut pas voir ça. C'est notre chair.
Alors, nous, on doit donner quoi? L'exemple. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des connexions. Mais nous, on doit donner l'exemple comment créer la connexion. Vous comprenez maintenant? Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas facile à dire, Rabbi. Il faut pratiquer. Et je vais vous dire quelque chose. Bien parler, c'est une habitude. Comme mal parler. Comment on a commencé à mal parler? Le premier mot, après on a dit le deuxième, au début on avait des remords, et à la fin, ça sort comme ça automatiquement. Deux. Pourquoi? Bien parler, c'est exactement la même chose. Merci. Merci. Pas trop de familiarité tout en étant proche. Pas trop de familiarité. Non. Pourquoi? Oui, Rabbani, tu as du respect. Non. Mais oui. Tout en aimant, en adorant, en aimant beaucoup, mais je pense. Ouais, mais il y a du respect. C'est pas comme avec la fille. Même avec la fille. Non, il faut déjà du respect. Et moi, je dis toujours aux jeunes qui viennent me parler de leurs parents, à 40 ans, ils ont tous un petit dé, les filles, chicacle, ma mère, pourquoi? Je leur dis, les parents, injugeables. C'est une photo qu'on pose, vous m'avez dit une fois. On pose la photo sur le mur et on se tait. Pourquoi? Parce que si tu serais à leur place, avec les mêmes conditions, qu'est-ce que tu aurais fait? Exactement la même chose. Il faut savoir ça. Donc les parents injugeables, on ne les juge pas. Oui, c'est sûr. Maintenant, quand on comprend que les parents sont injugeables, on se calme dans la vie. Parce que quand on nous dit « ta mère et ton père et ton truc », c'est fini, on ne vit plus. On ne vit plus. Et les remords, et les angoisses, et les nerfs, et les balaganes, tout ça. Et qu'est-ce que ça fait ça? Si ce n'est pas le « etc. » qui se sépare, c'est la séparation, ça rentre. Et nous, dans le Zohar Kadosh, qu'est-ce qui est écrit? Tout ce qui est séparation est Yetzerara, tout ce qui est union est Yetzertov. Alors, c'est pour ça, Natati, à qui je donne? Palecha, Palach, pas je te donne à toi féminin ou à toi masculin. Lachem, à vous. Tu veux donner quelque chose? Donne aux deux. Ouais. Regardez ce qui est écrit. Après qu'il est béni, il leur dit, Natati lachem, je vous ai donné et kol. Je vous ai tout donné. Il n'y a jamais je t'ai tout donné. Ça n'existe pas. Je vous ai tout donné. C'est-à-dire pour tous. Et kol, vous savez c'est quoi? Me'alef ataf. Me'alef ataf. Tout, et le chaf et le lamed, le chaf avec le point, c'est la femme, et le lamed ensemble, c'est la femme et l'homme. Kol. Natat et Rem et de A à Z, tout. Pour qui? Seulement si vous êtes ensemble. Si vous êtes ensemble, si vous êtes séparés, je ne peux pas vous donner. Pourquoi? Comment on remplit un verre coupé en deux? Tu remplis, ça coule. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, au début, le verset précédent, qu'est-ce qu'il a dit? Pour vous, mettez-vous ensemble comme ça, collez-vous. Maintenant, je remplis tout ce que vous voulez. Et c'est quoi l'abondance divine, vous savez? L'abondance divine, c'est de se contenter. Les gens pensent que l'abondance divine, c'est un chiffre. 1 million, 10 millions, 500 000. Ça, c'est pas de l'abondance, ça, c'est des chiffres. C'est quoi l'abondance divine? Se contenter. Et pourquoi on est tellement content? Parce qu'on est passé de l'âme bestiale qui cherche seulement hav-hav, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je te prends, je te prends. Le couple, au lieu d'être uni, qu'est-ce qu'ils sont? Je te prends, je te prends. Tu ne me prends rien, je te donne. Pourquoi tu me prends? Une fois, ma femme, la tzadika, elle m'a dit une moralité. Elle m'a dit, dis-moi, toi, tu donnes des cours de Torah Tabah et c'est très joli. Mais, pourquoi quand mon porte-monnaie, il n'y a pas d'argent? Pourquoi moi, je dois me demander? Pourquoi? Je dois te dire, tu as de l'argent pour moi? Elle m'a dit, tu as de l'argent, tu vas mettre dans le porte-monnaie. Je ne dois pas te demander. C'est vrai.
J'ai pensé à ça, je lui dis, combien tu as raison. Bien sûr. Me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Que toi, toute la vie, je vais te dire, donne-moi, s'il te plaît. Mm. Toute l'abondance que tu as, c'est grâce à moi. Donc, tu vas tout me donner à moi, et toi, tu vas me dire, donne-moi. Non, mais... Ben oui. C'est du machisme. Viens, demander, viens. Ah, tu veux? Attends, je t'enlève un billet. Lui, il a 10 000 chèques dans les poches. Il lui donne 200. Et fais attention hein, de ne pas donner la monnaie. Comment elle va faire Shabbat, 200 chèques? Donne-lui 10 000 chèques et prends-toi 200 chèques. Qu'est-ce qu'un homme, il a besoin d'argent? Qu'est-ce qu'il fait? La tzaka? Faites la tzaka. Et après, c'est normalement dans la famille, c'est qui s'occupe de tout? La femme, elle achète de manger, et les enfants, les habits, les chaussures, sa vie, ça bouge. C'est... S'il te plaît, mon mari, tu peux me donner? C'est pas ce qui est écrit dans le Torah. La Torah, elle dit, Natati lachem et kol. Je vous ai tout donné. Et c'est quoi le kol? Le kol, c'est un chav avec un point dedans. Vous vous rappelez le point dedans? Ça, c'est Bereshit. La femme, c'est le bête. Quel bête? Avec un point dedans. Pourquoi? Il y a, le Zohar HaKadosh dit, Yavasha et Yabasha. Yavasha, c'est malheureusement la sécheresse. Yabasha, c'est un continent. Yabasha, c'est un continent. Il dit le Zohar HaKadosh, quand est-ce que tu vas avoir un grand continent? Quand le bête et le yud, ils sont ensemble. Quand le bête et le point, quand l'homme et la femme, ils sont pour vous, unis. C'est pour ça qu'ici, il dit, être kol, pas être hol. Parce qu'on peut faire le chav sans point. Mais quand il y a le point, ça veut dire qu'il y a l'union. Donc il dit, vous allez être unis. Maintenant, je vais vous donner Esev. Esev, c'est les herbes. D'accord? Les herbes, c'est quoi? Pétrosil, il y a chamir, kousbara, la menthe, tout ça. Mais Esev, c'est aussi comme ça. C'est pas la sève, c'est pas les mauvaises herbes. Non. Il y a Ein, Shin, Bet, Vet. C'est quoi ça, vous savez? C'est les herbes, les herbes. Ein, Bet, c'est 72. Miséricorde. Chesed. C'est Chesed, c'est quoi? 72. Shin Ein, c'est 370. Vous savez c'est quoi? Shin Ein Orot. Les lumières qui existent dans ce monde. Et pourquoi tout ça? La miséricorde et les lumières qui existent dans ce monde, on les trouve dans, déjà sur la pelouse, déjà sur les herbes. Pourquoi pas dans les grands arbres? Question, hein? Parce que la lumière de miséricorde, qu'est-ce qu'elle dit aux herbes? Il y a un ange qui vient, il tape, il dit Gdal, grandis. Comment il fait? Comme la lumière du soleil, elle tape déjà sur les herbes, qui sont en dessous des arbres, en dessous de tout, le soleil, il rentre dedans. Et tout est caché, malgré ça, il rentre, et il lui donne la vie. Nous, la même chose. Nous, on doit savoir, même si on est fin fond du puits, on n'arrivera jamais au 50e charret Touma, jamais de la vie, juste 49. Et même là-bas, même si tu es au fin fond du puits, je te donnerai la vie. La preuve est que les gens sont ils vivent des vies vraiment très difficiles. On entend des choses, on se dit comment une personne vit. Et vous voyez que malgré qu'ils sont vraiment, vraiment, malgré ça, ils reçoivent la vie par amour. Alors quand il dit, Ine natati lachem, Esev, regarde comment je vous donne les herbes, les plantes. Vous voyez que je donne aux plantes la vie, qui sont très proches de la terre, genre
les plus bas, donc tout ce qui est végétaux, malgré comme ça, toi aussi, tu dois donner à ceux qui sont dans le plus bas de l'échelle. Si toi, tu ne donnes pas à ceux qui sont dans le plus bas de l'échelle, quand tu seras dans le plus bas de l'échelle, qui te donnera? Et vous savez que dans la halakhot de Tzedaka, il est écrit, c'est les règles de miséricorde, il est écrit. Pourquoi on doit donner la miséricorde, vous savez? Parce qu'il est écrit, sauf ou chez Galgal, chez Mistovev, bon là. La route tourne. Il est écrit là-bas. Ou tes enfants, ou tes petits-enfants, ou tes arrière-petits-enfants auront besoin de miséricorde. L'argent que tu donnes aujourd'hui arrivera à eux. Vous savez, c'est comme une assurance vie. Quand tu donnes la tzedaka, c'est comme si tu mets... Tu assures ta vie. Tu assures la vie de tes descendants. Tu leur assures la vie. Comment? Tu donnes toi maintenant la tzedaka. Et si un jour arrive qu'ils ont besoin, eh bien voilà. Mais ma fille, mais ma mère. Sauf de la mort. Ça, c'est quoi la mort? Ani, chashuv kemet. Un pauvre, c'est comme un mort. Mais un pauvre, quand il reçoit tout d'un coup, avant, maintenant, c'est les fêtes, on a les enfants dans la rue, Bezrat Hashem, aujourd'hui, vous allez m'aider, il n'y a rien à faire. Cette semaine, ils sont secs, les enfants dans la rue. On va leur faire quand même les sandwichs et tout. Même eux, ces enfants-là, d'où ils ont cette main-là tendue vers eux, avec les habits, avec le manger, avec tout. C'est les petites dames de Nathaniel hein, qui ont commencé cette action magnifique. Eux, ces enfants dans la rue, grâce à quoi vous pensez qu'ils reçoivent? Parce que leurs grands-parents ou leurs parents ont donné la tzedaka. Il y a une assurance. Je ne veux pas vous dire les pauvres, les parents des enfants comme ça. C'est affreux. C'est affreux. Il y en a même qui disent, ils sont morts pour nous. Mais même si tu dis, mon fils est mort pour moi, si tu entends que Chazvi Shalom, il a été mal comporté, tu n'as pas la peine, c'est pas possible que tu n'as pas la peine. Vous savez qu'il y avait une histoire, je crois il y a 20 ans à peu près, par hasard, j'ai téléphoné et par hasard je suis arrivé à quelqu'un. On se parle, et je pensais que je parlais avec quelqu'un, il avait son nom, mais c'est pas lui, par hasard. Et nous deux, on travaillait avant, le Rav Ovadia Yosef, il a dit qu'il faut faire la tchouva, on allait la nuit, vous savez, donner des conférences. Moi j'ai commencé à l'âge de 23 ans déjà, des conférences et tout ça pour faire tchouva, mais c'était à 25 ans, 26 ans. Et après, maintenant c'est plus la même chose, le même travail. Et lui, il me dit, tu sais, j'ai un problème. Je sais quel est le problème. Il me dit, j'ai une jeune fille que j'ai rencontrée par hasard. Et elle s'est sauvée de Mea Shearim. Vous savez c'est quoi Mea Shearim? Elle s'est sauvée de Mea Shearim. Et qu'est-ce qu'il y a? Ses parents ne veulent plus parler avec elle. Tu peux m'aider? Je lui ai dit, oui, donne-moi le téléphone, je parle avec elle. Top, j'ai parlé avec elle. Elle était avec un pilote de l'air. Elle était sûre, comme elle a grandi à Mea Shearim. Vous savez que les religieux ne seront jamais non-religieux. Hein. Ne seront jamais des non-religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans la tête la réflexion comme un religieux. Donc c'est une vie affreuse. C'est une vie affreuse. Tu tatouages, balagan et tout, et dans ta tête, tu réflexions comme un religieux. Alors pourquoi tu es devenu non-religieux? Top. Elle était sûre que si un garçon il aime et tout, c'est pour le mariage. Je lui ai dit, écoute ma fille, c'est parce que je t'ai jamais vu, mais j'imagine que si c'est un pilote de l'air, tu ressens bien un bon mannequin. Elle m'a dit, oui, j'ai fait un book, j'ai fait un truc, complètement. J'ai dit, tu sais, tu veux savoir si t'aimes ou pas? Elle m'a dit, oui. Je vais un peu vous choquer, je demande pardon d'avance. Je lui ai dit, tu sais, la prochaine fois que tu le vois, dis-lui que tu as une infection contagieuse. Et on va voir qu'est-ce qu'il va dire.
m'a dit quoi? Il est parti en courant. Il dit, dis-lui que tu as une infection contagieuse. S'il t'aime, il attend, non? Tu te guéris. Ça arrive. Mais s'il veut seulement en profiter, disparaître. Elle lui a dit, le monsieur est devenu un nuage. Ni téléphone, ni rien. La pauvre était tellement contrariée. Elle a fait un accident de voiture et est tombée dans le coma. Tellement contrariée, elle, dans sa tête, elle ne pouvait pas imaginer que c'est vrai. Et les gens lui ont dit qu'on profite du corps et tout. Mais elle, elle était dans la tête religieuse, dehors, laïque. Coma. Top. Coma à l'hôpital Irilo. Tous les jours, venait un monsieur, demain à Shaharim, il disait tout le livre de Tehillim et il partait. Alors les gens à l'hôpital disaient, c'est sûrement un tzadik qui vient bénir les malades. Vous savez, ça existe, des tzadikim qui viennent à l'hôpital pour bénir et tout. Alors les nurses, ils n'ont rien dit. Et un jour, elle s'est réveillée. Et lui, il a disparu, le monsieur avec qui Tehillim. Mais les nurses lui ont dit, tu sais que tu as une grande chance. Vous savez, quand même, on est croyant, hein. Laïque ou pas. Hein. Quand quelqu'un est dans le coma, on sait se lever la tête, d'accord? Il ne faut pas. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais pousser quelqu'un. Attends, laisse-le. Les kitsour, ils lui ont dit, tu sais, tu as une grande chance. Il y avait un tzaddik qui est venu de Jérusalem. Tous les jours, il disait tout le livre de Tehillim à côté de ton lit et il partait. Et on ne sait pas si. Elle leur a dit quoi? Et personne d'autre est venu? Ils lui ont dit personne. T'as pas de famille, t'as pas de copine, t'as rien du tout. La pauvre. Elle leur a dit, et comment il était? Ils lui ont dit, de taille comme ça, de la barbe comme ça. Elle leur a dit, qui? Qui? Comme ça? Et il était un peu comme ça? Oui. Les lunettes, c'était comme ça? Oui. Et s'est évanoui. C'est son père est venu. D'où il savait qu'elle a eu l'accident et d'où il savait où il est. Ils ont coupé. La santé. Maintenant? Le sang. Je vous ai dit tout à l'heure. Le sang. Maintenant? Elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je l'ai dit, écoute. L'autre, quand tu lui as dit que tu as une infection, il est parti dans le coma. Ici, tu étais dans le coma, tu allais mourir, il est venu. Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu as trouvé? Discothèque et balagan. Et après, la belle voiture. Non, et après, donne-moi encore quelque chose. Elle m'a dit la vérité, il n'y a rien du tout. Mais elle me dit, je ne peux pas retourner chez mes parents parce qu'ils ont coupé. J'ai dit ça. Laisse-moi faire, moi je suis un pont élastique. Je jongle. J'appelle le père, tatatata, oui, Ken, tata. On parle religieux. Je dis, je te vois. Et pourquoi tu me vois? Oui, je veux te voir. Te donner une zaka. Ah oui, viens, viens, viens. Je suis venu, j'ai donné un zaka. Natati. Okay? Natati, donnez toujours. Tu donnes, la personne est gentille avec toi. Et on a commencé à parler bien, j'étais après une semaine, encore une fois je te donnais. Et d'où tu viens toi? Je lui dis, moi je viens, d'où toi tu viens? De quoi tu parles? Je lui dis, on m'a dit à l'hôpital Irilo que tu étais à côté d'un lit d'une jeune fille et tu disais tous les jours Tehillim. Il m'a dit oui. Je lui dis, pourquoi tu me disais Tehillim? C'est qui cette jeune fille? Il m'a dit, je ne peux pas te raconter l'histoire. Je lui ai dit, pourquoi tu es parti dire Tehillim? Il a dit, non, elle était dans le coma. Je lui ai dit, toi, tu es dans le coma, tu n'as pas d'argent. Ah ben, ouais, moi, je viens te donner, quelle est la différence? On a sympathisé. Je lui ai dit, dis-moi, je ne veux pas la voir, ta fille. Il m'a dit, je ne peux pas rentrer à Mea Shaharim. Je ne peux pas la faire rentrer. Ils vont tous m'écraser. Je lui ai dit, laisse-moi ça. Je m'arrange. Mais toi, tu ne veux pas la voir? Il me dit, oui, je veux la voir. Mais elle est obligée de faire les deux nattes
mettre les habits, tout comme il faut. Je lui dis sans condition. L'amour de Dieu sans condition. Je peux pas, je peux. Il lui dit, va-t'en. C'est pas la peine. Je lui dis, mais sache que moi je vais l'adopter, elle va devenir ma fille. Silence. Il a pensé, il m'a dit, Tov Zed, Maskim. Je lui dis pas Jérusalem. C'est pas la peine de Jérusalem, tout le monde voit, tout le monde parle. C'est pas la peine. Première rencontre dans un endroit. Émotion, balaga et tout. Et hop, il repart. J'ai dit, pourquoi tu repars? C'est ta fille, prends-la à la maison. Non, je peux pas. Je peux pas. À Jérusalem, mais à Sharim, c'est comme un village. Tout le monde sait tout. J'ai dit, écoute, tu es prêt à tuer ta fille? Tu es fou ou quoi? C'est ta fille. Il n'y a pas de tchouva dans la Torah. On n'a pas le droit de revenir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ah, ah! La mère ne voulait pas. Hein? Ah, il y a les filles et les mères. Ça, si on ouvre ça, c'est un livre qui ne sera jamais fini. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait? Les hontes qu'elle m'a fait? Et la truc que ma mère, elle me disait. Ta, ta, ta. Je lui ai dit, va parler avec ta femme. Et dis-lui. Et moi, j'ai parlé avec la fille. J'ai dit, écoute, pour une jupe, tu vas perdre une famille. Pour une jupe. Pour une coiffure, tu perds ta famille. Et vous savez, quand ils sont jeunes, c'est pour un centimètre dans la jupe. Un centimètre, elle veut court, elle les jeter de la maison. Pour un centimètre, tu perds ta famille. Mais le centimètre, qu'est-ce qu'il y a? Que ce soit un peu long. Non, je veux pas. Voilà, regardez. C'est mieux de perdre la famille? Non. Alors c'est tout. Il y a des règles partout. Il y a des règles partout, Rabbani. Et il faut préserver les règles. Si il n'y a plus de règles, c'est la jungle. Baruch HaShem. Et le retourner chez elle. Top. Shabbat, tout va bien, on les a remis en famille, très bien. Lui, le père, il est Shabbat, il est revenu de la synagogue, il rencontre un ami à lui. Machlantra, comment vas-tu? On ne s'est pas vu 15 ans. Efrata, où tu es, où je suis? Et l'autre lui dit, j'ai entendu que ta fille, elle est partie, elle est revenue. Alors lui, il lui a dit, j'ai un fils, personne ne sait. Mais aussi, il est parti de revenu. Peut-être on les rencontre. Il vient d'y aller. On essaye. Ils ont fait Shidour. Et c'est marié. Ils vivent leur vie. Natati lachem. Le père a donné pour sa fille. Il a reçu sa fiancée. Natati lachem. On doit tout le temps donner. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours besoin. Et celui qui dit qu'il n'aura jamais besoin, c'est un orgueilleux. Et vous savez que j'ai vu dans ma vie des gens qui étaient très très riches, qui sont devenus très 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 pauvres. Mais quand je vous dis pauvres, qu'ils ne peuvent pas vivre sans les autres qui les aident. On a vu des gens comme ça, très riches, des fortunes, des Rolls, des ch'touillottes. Tu lui dis quoi? Tu as l'assurance vie toi? Qu'est-ce qui se passe? L'assurance vie, c'est quoi? Donne de la tzedaka. Donne de la tzedaka. Donne. Tu as beaucoup, donne beaucoup. Donne et oublie. Et oublie, bien sûr, oublie. C'est pas à toi. Et après, quand tu seras dans le ciel et tu verras un petit-fils, une petite fille en besoin et tout d'un coup, il reçoit, tu sais, clic-clic, shalom. C'est carte postale de papy. Alors il dit ici, SM, mais quel SM? Zorea Zera. Le zera, c'est le grain. Zorea, esev, zorea, zera. Ce sont des herbes. Mais ce sont des herbes, zorea, zera, qui peuvent multiplier par des grains. Se reproduire. Comme le blé, mais par des grains. C'est pas la même chose. Mais ça, c'est par le grain. Qu'est-ce que ça veut dire? Esev, c'est SF, c'est le mot qu'on dit pour les méchants. Les méchants. Ouais, qu'est-ce qui est écrit dans Mizmor Shirum Shabbat? SF. Donc les SF, c'est quoi? C'est les méchants, les ignorants.
Les ignorants, ils sont comme ça, les pauvres. Comme les mauvaises herbes. Mais vous savez qu'est-ce qui est écrit ici? Zorea zera, izaro bevne anim, shemiem tetse Torah. Faites attention de quoi? Des enfants, des ignorants qui peuvent devenir des grands sages. On a dans le Talmud. Mais un ignorant, il n'est pas méchant. Oui, mais ça s'appelle. Quand on dit méchant, on ne dit pas nous méchants comme vous, vous dites méchant. On dit tzadik et racha. C'est pas méchant. Ignorant, c'est quoi alors? Il est ignorant, il ne sait pas. C'est tzadik, un ignorant, c'est. C'est dans les. Comment on dit Les paroles qu'on dit ça. Les termes. Moi, j'utilise les termes que je connais. Ignorant. Mais ça veut dire. Le tzaddik, c'est quelqu'un de tam, naïf, pur. Ça, c'est le tzaddik. Mais l'ignorant, ce que nous on parle, c'est l'ignorant, ba'ish ba'ar. Il est comme un animal. Ba'ar en araméen, be'irin, c'est comme un animal. Qu'est-ce qu'il fait? On va dire que le sab est un homme comme ça. Mais c'est quoi? C'est les gens qui sont restés dans l'âme bestiale, c'est tout, il n'y a rien à faire contre ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Ils ne sont pas de l'âme bestiale? Ils sont dans l'âme bestiale. Mais même eux, fais attention, Zoré Azera, eux peuvent se multiplier et faire sortir une grande âme. Très grande âme. Vous savez, le père du Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, il avait un makolet. Je ne sais pas que c'est, comment il savait lire, mais c'est des gens très simples. Il a eu un fils, Rav Ovadia Yosef. C'est pas simple. Oui, mais ça, ceux-là, ils ont une bénédiction. Ils ont une Rabbanit, on ne voit pas que lui, c'était un grand tzaddik qui a fait naître un grand tzaddik. Oui, bien sûr. Vous savez, le Talmud dit qu'il y a Chometz ben Chometz, Chometz ben Yain, Yain ben Chometz, Yain ben Yain. Il y a. Chomet, c'est le vinaigre, fils de vinaigre. Vinaigre, fils de vin. Vin, fils de vinaigre. Et vin, fils de vin. Il y a quatre possibilités. On dit de la rose, elle sort l'épine, et de l'épine, elle sort la rose. Donc, lui dit ici, la Torah nous dit Zorea zera asher al pne kol haaretz. Cela, les herbes, c'est tout ce qui remplit la terre. Tout ce qui couvre la terre, ce sont les herbes. Pourquoi? Parce que nous, notre rôle, c'est les élever, qui montent, qui poussent. C'est les herbes sauvages. Ça. Alors il dit, Yacher al pne kol haaretz. Ve'et kol haetz, asher bo pri, etz. Toutes les arbres qui ont le fruit. Et dans le fruit, il y a l'arbre. Oui. C'est quoi encore une fois le fruit qui a la graine. Ah, oui. Vous savez que dans le sujok, la médecine, il y a une façon de guérir les gens, que quand on trouve le point, on met des graines dessus. Oui. Et c'est quoi ces graines-là? Ils ont la force de tout ce qui peut pousser d'eux. Imaginez-vous combien de pommes il y a dans une graine de pomme. Si elle grandit, devient un arbre et tout, jusqu'à quand que sera cet arbre fini sa vie, combien de pommes il y a dans la graine de pomme? Des tonnes. Mais combien ça pèse une graine de tonne? Rien du tout. Une graine de pomme. C'est pour ça qu'ils disent, quand tu mets la graine de pomme, tu as toute la force de l'arbre et toutes les pommes. Et le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit, vous savez qu'on a des sources et des supports. Le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit sur la Torah exactement la même chose. Il dit, comme tu vois le grain, la force du grain, c'est toutes les descendances. Dans ce grain, il y a toutes les descendances. Donc, quand tu prends un grain, tu prends dans ta main des tonnes, de tonnes, de tonnes, de tonnes de pommes. Alors ici, il dit, Ve'et kol ha'etz asher bo pri etz. Et lui aussi, Zoré Azera, c'est quoi le et? Qui a Adam et Sade? Maintenant, c'est plus Befroir Rechaïn que mon Esef, que les méchants ils sont comme les herbes sauvages. Maintenant, c'est qui a Adam et Sade? Quand est-ce qu'on dit Adam? 45? Seulement quand c'est l'homme et la femme ensemble. Alors, tant qu'on n'est pas l'homme et la femme ensemble, on est dans les herbes. Dès qu'on est l'homme et la femme ensemble,
on est un arbre. Que Adam est assadé. Alors il dit ici, la chemie est le ochla. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Tout ça qui va grandir, c'est votre nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que les tzadikim, qui sont les arbres, et les rechaim, qui sont l'herbe, à la fin, on mange tout ça. Je sais. Parce que c'est codé, décodé. À la fin dans la vie, ce que tu vas faire naître, tu vas manger. Si tu fais naître un ignorant sauvage, tu vas manger les conséquences. Si tu fais naître un tzaddik, tu vas manger les conséquences. Maintenant, sois responsable à ce que tu vas faire cultiver, parce qu'à la fin, tu vas manger ce que tu as cultivé. D'accord ? C'est pas agréable de le dire, mais c'est la vérité. Mais si c'est agréable. Pas toujours. Tu récoltes ce que tu sèmes. Mais ici, Rabbanit, la récolte, tu peux vendre. Ça donne de l'espoir. Mais ici, tu manges. C'est pas pire. C'est mieux, tu peux t'empoisonner aussi des fois. Si tu as... C'est plein de sous-entendus. Oh, juste ça. Hein? Ah ouais, la chemie et l'orla, on peut parler 50 ans, on ne va pas finir. Oui, parce qu'il y a de quoi dire. Donc, on doit, écoutez bien ce que je vous dis, cultiver même les herbes. Parce que vous savez que dans la médecine des herbes, les herbes sauvages sont très très fortes. Oui. Elles ont beaucoup beaucoup de bonne qualité pour guérir la personne. Si tu prends les qualités de l'herbe sauvage, elle te guérit. Oui, je veux manger. Pourquoi? C'est une qualité. Si tu manges trop de fruits, tu peux avoir le ventre mou, tu peux avoir des maux de ventre, tu peux avoir plein de problèmes. Mais si tu manges le fruit bien cultivé, il peut te nourrir. Alors une personne peut manger seulement des fruits et des légumes et vivre très très bien. La seule chose, c'est si c'est sauvage et tu connais pas, tu peux mourir. Parce qu'il y a du poison. Même dans les arbres, il y a des arbres avec du poison. Vous savez, en Afrique, il y a des arbres avec des choses magnifiques. Mais si tu cultives, si ce soit une herbe ou un arbre, tu peux être nourri de ça. Et ça, c'est la force de quelqu'un qui est équilibré dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui va faire naître, il va accepter. Ça m'appartient. On ne jette pas dans la rue. On n'écrase pas avec les pieds. On ne crache pas dessus. Tu as fait naître une plante sauvage. Cultive-la. Arrose-la. Arrange la terre autour. Coupe les feuilles. Cultive-la. Une rose, c'est quelque chose de très beau, joli. Mais il y a plein d'épines. Cultive-la, la rose. Et tu auras une très belle rose, d'accord? Alors, il est écrit qu'à Shoshana ben Achochim, ken rayati ben Abanot. Comme la rose est entre des épines, mais elle est très très belle, je la veux. La même chose, ma femme, elle est entre des épines, mais je la veux. Quelles sont les épines qui sont autour d'elle? Midot, le comportement. Il faut donner du respect, donner de la tzedaka, donner de l'argent, donner de l'amour, donner de l'amitié. Si tu as bien donné, tu as bien arrosé, tu pourras prendre et manger. Comme nous sommes dans une période magnifique, vous allez écrire sur YouTube ou Google Apocalypse. Vous connaissez ce nom? Apocalypse. Oui. Il y a dans le monde un grand, grand système, ça fait déjà 3-4 ans, qui disent qu'ils sont en train d'emmener tout le monde de la technologie, et à la fin ils vont fermer l'électricité. Et quand ils vont faire baisser l'électricité, les gens vont rester sans rien. En Israël, ils sont en train d'appliquer le système qu'on peut payer avec le téléphone. Oui, oui. Mais dès qu'il n'y a pas de réseau, vous n'avez pas d'argent du tout. Exactement. Faites très attention, on va dans une direction... C'est très dangereux. Ils sont en train d'éliminer les monnaies. Faites attention. C'est pour ça qu'il faut acheter de l'or
et du diamant. Je rigole pas. Le diamant plus qu'un demi-carat et l'or. Achetez de l'or. Des lingots. Voilà. Lingots. Ah, des lingots. Il y a des petits lingots. Il y a des petits lingots. Des petites pièces. Mais simple, il y a des pièces tendres. Écoutez pourquoi. Oui, mais les pièces, c'est parce que moins les vendre. Ils sont en train, sans qu'on veuille, de nous emmener à cette catastrophe, qu'on ne saura même pas se sauver dans les montagnes avec les arbres et pouvoir manger de la terre. On est tellement ignorant que la terre ne peut plus nous nourrir. Aujourd'hui, on mange seulement parce qu'on est dans le supermarché. Bien sûr qu'il est là, Mashiach. Mais le Rambam Maïmoni l'a déjà dit. Avant que Mashiach vienne, on va se sauver dans le désert et dans les trucs. Vous savez que dans le désert, il y a plein de plantes super nourrissantes. Ouais. Le désert, vous allez dans le désert, on voit les plantes là et tout. Là où on était, mais on ne connaît pas. Il y avait on connaît pas. Et comme on ne connaît pas, on est inférieur ou supérieur? Inférieur. On sait. L'ignorance. Alors il faut s'instruire et commencer à comprendre. On va faire de l'agriculture. Oui, il faut commencer à comprendre comment on peut vivre sans technologie. Et je rigole pas du tout. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.